Le manque de sécurité dans les quartiers de Ouest-Foire, toujours d'actualité pour les habitants. Il faut solliciter l'aide de la gendarmerie nationale. Ouest-Foire, le quartier semble paisible, mais la réalité est tout autre. L'insécurité est au cœur des préoccupations des populations. Ouest-Foire est essentiellement composé du point de vue des propriétaires qui ont des maisons ici. La plupart du temps, c'est des immigrés. Donc, ils ne logent pas au Sénégal et ils mettent en location leur maison. Ce qui fait que nous avons tout, c'est un melting pot. Nous avons toutes sortes de nationalités qui vivent au niveau de Ouest-Foire. Il y a un manque criard d'organisation et puis surtout d'équipement. Il ne se passe une semaine sans qu'on ne parle de cas de vol ou d'agression dans le quartier. Galbi mo ñew ñew ci kër gi nek ak mom gis xaliss bi. C'est la copine du locataire qui est venue en premier dans l'appartement. Farid bu ñu ñëwé tenk yow ci bir appartement bi on ligoté le locataire. Gaay bi mbolam ñu ñëwé ñom def fess dem ben fa ben et ils ont réussi à s'enfuir. Appelé ben gaay di ñëw sol ben sédement daw ñëw ni atom la xalissam dañu sacci expliquer. Peiné face à une telle situation, les habitants de la cité, ne sachant plus à quel saint se vouer, sollicitent l'aide de la gendarmerie. On déplore ici l'insécurité. Il y a beaucoup d'étrangers. Donc il faut un contrôle systématique, surtout la nuit, pour que la gendarmerie fasse des rondes toutes les nuits. L'insécurité entre ainsi le sommeil des populations qui demandent que des rondes soient effectuées pour un retour à la tranquillité.